avec nos amis de l'Institut français. Il s'agit pour nous, au sein de la délégation générale, le premier concours d'éloquence et la deuxième édition en français au Chili pour nos amis de l'Institut français. L'idée de ce concours, qui a été lancé il y a déjà plus d'un mois, est de faire rayonner la langue française. En effet, nous avons constaté que dans un contexte social et politique particulier, il nous a semblé plus qu'opportun de souligner l'importance de la prise de parole en public, de l'expression citoyenne, de partager ses idées, de communiquer et surtout de s'écouter. C'est une belle réussite pour un premier concours d'éloquence en ce qui nous concerne, puisqu'on a eu plus d'une trentaine de participants entre 15 et 75 ans. C'est un peu comme la bande dessinée qui a un support important en Belgique, parce qu'on dit toujours la bande dessinée, c'est entre 7 et 77 ans. Et des participants de plusieurs nationalités. Nous avons bien entendu des Chiliens, des Français, des Haïtiens, Vénézuéliens, qui sont en fait disséminés dans toutes les régions du Chili, qui vont de Santiago, Valparaíso, Los Lagos, Mol et Nublense. Cela nous a permis de sélectionner 24 semi-finalistes, dont certains sont présents aujourd'hui et j'imagine écouteront attentivement nos deux conférenciers belges. À l'issue de la semi-finale, les 12 finalistes auront une formation avec un de nos orateurs de ce soir, qui est Simon Menskar, donc formateur francophone. Alors, que dire rapidement de nos deux orateurs de ce jour ? Éloquents, vous le verrez, ils le sont. Drôles aussi, avec pas mal d'humour. Vous le constaterez tout au long de cette heure de conférence. Simon Menskar, belge, avocat, formateur à l'Institut de communication du barreau de Bruxelles et aussi formateur à Réciproque Mons et Bruxelles. Simon a reçu différents prix d'éloquence et de plaidoirie. Dans son exposé, Simon touchera les outils et les méthodes de communication liées à l'art oratoire. Monia, quant à elle, qui commencera, si j'en suis bien le programme, est coordinatrice au sein des ambassadeurs d'expression citoyenne à Bruxelles. Il s'agit là d'une association qui promeut l'émancipation des jeunes à travers la parole. Formatrice et organisatrice de jours d'oratoire dans différentes régions du monde, telles que Bruxelles, mais aussi Paris, et si mes informations sont correctes, en Proche-Orient. Elle est également formatrice au sein de Réciproque, que nous avons eu l'occasion, Héloïse et moi, de visiter en août dernier. Je vous souhaite un bon exposé, une écoute attentive, et je passe directement la parole à Héloïse, qui va revenir vers vous pour différents points techniques. Bonsoir à tous, merci pour votre participation. Alors, tout d'abord, je vais juste faire un tout petit détail en espagnol. Para los que hablan español, como anunciamos que la conferencia está en francés y en español, tienen solamente que cambiar abajo. Y debo changer en bas. Cambiar abajo, a la derecha, tienen como un globo y allá pueden elegir el canal español para escucharlo en español. Y los demás, por los otros, vous pouvez rester simplement sur le canal en français. Si hay personas que hablan español y que me escuchan ahora, directamente tienen que cambiarse al canal español abajo. En las iconas tienen abajo un pequeño globo para español. Donc, je continue en français. Nous avons deux interprètes qui font un merveilleux travail pour traduire tout ce que Emmanuel, moi-même, Simon et Monia disons en français. Et c'est directement traduit à l'espagnol. Et merci à elle. Donc, nous allons écouter Monia et ensuite Simon qui vont nous parler de la prise de parole en public. Si vous avez des questions, vous avez une petite icône qui dit « Preguntas y respuestas », questions-réponses, Q&A, ça dépend de la langue dans laquelle vous avez votre application. Et là, vous pouvez écrire vos questions et moi, je vais au fur et à mesure les proposer à l'oral à nos conférenciers ou à la fin, je vais leur proposer les questions qui auront été posées, qui n'auront pas été abordées au fur et à mesure de leur exposé.
Donc, j'espère que c'est assez clair. Vous pouvez aussi vous exprimer dans le chat, mais je n'ai pas directement dire à Simon et Monia ce qui est dans le chat. Si vous avez des questions, c'est dans questions-réponses, preguntas y respuestas. Donc, je vais laisser la parole à Monia. Je remercie bien évidemment l'Institut français du Chili pour l'organisation et mes collègues que nous avons faite avec nos amis de la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Chili pour cette conférence et l'organisation du concours. Je vous rappelle que la finale du concours sera le 4 décembre. On vous attendra nombreux en présentiel ou à distance pour y participer, pour les finalistes, et la voir pour le public. Donc, je te passe la parole, Monia, et je te ferai signe s'il y a des questions au milieu de ton discours. Voilà. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour à tout le monde et bonsoir, cher Simon. Pour nous, la journée est derrière nous, donc ça donne déjà une temporalité un peu différente dans le public et entre les orateurs. Héloïse, c'est très impressionnant de t'entendre parler une autre langue. C'est fou, je pense que Simon et moi, on partageait la même émotion. De passer comme ça du français à l'espagnol, on se dit qu'il y a un amour des mots, quelles que soient finalement les racines de ceci. Alors, faire une conférence sur l'éloquence à 22h, derrière un écran, je dois dire que c'est un défi vraiment, vraiment intéressant. Merci pour l'invitation. Il va falloir arriver à se transcender et vous faire passer ce qu'on a envie de vous faire passer en termes d'outils, d'émotions et de justesse. Donc, vous excuserez les petits moments de problèmes de connexion que l'on connaît absolument tous. Et on verra si la technique est de notre côté ce soir. J'avais envie, avant de vous donner mes propres outils concernant la prise de parole, de vous parler, c'est très original, de moi-même. Souvent, c'est un sujet que je connais bien. Ça permet de mettre à l'aise tout le monde et de vous dire qu'on a tous absolument et toute une histoire avec la prise de parole. La mienne est un peu particulière, dans ce sens que je viens d'une famille et d'une culture où le silence est roi. C'est un peu une sorte de silence qui plombe tout. On ne dit pas, on ne raconte pas, on se tait, on cache si besoin et ça passera. Et donc, il n'y a pas la culture du verbe, il n'y a pas la culture du mot. Et puis, j'ai grandi dans une famille où j'ai une maman qui est analphabète. Et donc, il y avait encore moins l'occasion de s'enrichir en termes de vocabulaire et de mots. Et donc, j'ai toujours un petit peu grandi avec, comme un boulet au pied, une peur terrible de me tromper dans le choix de mes mots, dans l'écriture des phrases que j'avais envie de dire. Et donc, il y avait une imprécision dans ma capacité à raconter mon quotidien et mon décor. Alors, je me suis plongée dans plein de livres, comme un besoin de voir une autre réalité. Ça m'a donné beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire, et ça a affiné ma capacité, justement, à transmettre mes émotions, à transmettre ce que j'avais envie de dire. Mais ce n'était pas pour autant suffisant. Il fallait que je parle. Et ce n'est pas à l'école qu'on peut parler. Hein, ce n'est pas non plus forcément dans ce cas-là, dans ma famille. Donc, il fallait que je trouve un endroit. Et j'ai trouvé, bizarrement, dans la rue. Il y avait des occasions comme ça dans le quartier où je vivais, des endroits où des gens s'organisaient et organisaient des temps de parole. C'était là, la main tendue. Donc, j'y suis allée une première fois timidement, vers 14 ans, j'étais voir un peu ce qui se passait. C'était des hommes et des femmes assez âgés qui commençaient à parler, débattaient de tout et de rien. Et je me suis incrustée dans le groupe et j'ai dit, est-ce que je peux moi aussi parler de tout et de rien? Et ils m'ont laissé une place et tenaient de voir cette jeune fille arriver dans leur groupe. Et je suis tombée, mais amoureuse de la prise de parole. Donc là, vraiment, j'ai commencé à être inarrêtable, mais vraiment insatiable. J'étais là, en train de parler. Il y avait plein de mots qui sortaient comme si je rattrapais des années de silence. Et qu'enfin, j'ai pu presque épancher cette soif de mots, j'ai commencé à les donner de manière plus réfléchie, à choisir mes interlocuteurs, à choisir ce que j'avais envie de dire, à choisir pourquoi je prenais la parole, et non pas finalement la prendre pour compenser quelque chose. Quand les choses étaient davantage régulées, je me suis dit, en fait, la prise de parole, c'est le meilleur moyen de me sentir vivante, de me sentir exister. On m'écoute. J'ai des choses à dire. On ne va pas raconter à ma place. Et je crois que c'est exactement ce que j'ai envie de vous transmettre. Que la prise de parole, finalement, c'est le meilleur moyen d'éviter que quelqu'un d'autre parle et raconte le récit de votre vie. Et raconte, pire encore, ce que vous allez advenir. Et vraiment, c'est ça pour moi, cette prise de parole. Elle m'a complètement sauvée de plein de choses. Mais elle m'a vraiment permise de prendre conscience de ma propre puissance. Et je dirais qu'après avoir eu une logorrhée extrêmement excessive, j'ai commencé à me réconcilier avec le silence. Parce qu'il était plus subi, mais complètement choisi, au fait. Et quand le silence est choisi
Et c'est là où se niche mon premier conseil. Il est magnifique. Il triomphe même, je pense, de la parole. Parce qu'il donne presque de la magie. C'est presque pour moi divin quand un silence arrive à se glisser dans les propos de quelqu'un. Par exemple, celui-là. Vous ne l'entendez pas, mais moi, je le trouve assez perceptible. Il y a quelque chose quand on se tait qui donne de la place aux mots qui précèdent et qui permet vraiment aux mots de résonner encore et encore dans la tête de ceux qui l'ont écouté. Et puis, quand il y a silence, il donne de l'impatience aux mots qui vont suivre. Et donc, vraiment, le premier conseil que j'ai envie de vous partager à tous, c'est que pour bien parler, il faut savoir se taire. J'aime bien les contradictions et c'est la première que je vous présente. Ensuite, j'avais envie de vous partager un autre conseil. C'est bien de se taire, c'est bien d'arriver à choisir le bon mot pour exprimer de manière la plus juste ce qu'on a envie de dire. Mais même les bons orateurs, il leur arrive souvent de se saboter seuls lorsqu'ils arrivent sur scène. Simplement parce qu'ils oublient quelque chose de fondamental qu'on sait absolument tous et toutes faire, mais qu'on fait mal. C'est respirer. Alors Héloïse, pendant que tu parlais, je t'ai écoutée et je me suis dit... Manière, respire. Et c'est tellement important. Et il y a un conseil vraiment que vous pouvez appliquer dès maintenant. Vous pouvez le faire même pendant que je vous parle. Vous voyez, on respire là. Je respire et on le fait, mais on ne le fait vraiment pas bien. On respire comme des humains à lambda. Alors que quand on est bébé, lorsqu'on vient au monde, on a la respiration la plus adéquate possible parce qu'elle vient du ventre. Donc, elle vient, quand on dit qu'elle vient du ventre, évidemment, elle vient du bas du poumon, mais c'est la meilleure parce que vraiment, elle nous permet de nous ancrer et de stabiliser nos émotions. Et il y a une technique simple qu'on utilise dans le monde du théâtre, c'est respirer en 3 fois. On inspire pendant 4 secondes, on retient la respiration pendant 4 autres secondes, donc on est presque en apnée, et puis enfin, on expire. On fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et si on commence à se sentir à l'aise avec ça, on rajoute 3 verbes à chacune des 3 actions. Donc ça veut dire que quand je prends ma respiration, je prends, j'inspire et j'observe. Et ça, c'est extrêmement précieux. J'observe ce qui m'entoure, le public qui est en face de moi. Là, en l'occurrence, c'est compliqué, mais je l'imagine et je vous imagine tous et toutes derrière vos écrans, quels que soient vos décors. Et puis, je suis en apnée, la deuxième réaction, je suis en apnée et là, je comprends. Il y a énormément de choses lorsqu'on est en apnée. C'est comme quand vous étiez petit sous l'eau et que vous étiez complètement en apnée. Ben, les sons s'aiguisent en dessous de l'eau. Il y a plein de choses qui arrivent et que vous comprenez. Ben, c'est un peu la même idée. Et puis, quand vous expirez, eh bien, vous agissez. Et c'est là où ça change tout. Vous n'êtes plus en train de subir la prise de parole. Vous avez inspiré en observant. Vous avez contenu la respiration en comprenant ce qui se passe. Et puis, vous expirez parce que vous êtes à quelques secondes de votre prise de parole. Je crois qu'il y a là, dans cette expiration-là, entre cette expiration et le premier mot, doit se nicher, à mon avis pour Simon comme pour moi, le meilleur des silences. Parce qu'il y a quelque chose de fébrile avant le tout premier mot. Et je crois que cette fébrilité, si on y réfléchit, est due au fait qu'avant d'être entendu ou écouté, on est vu. Et c'est terriblement, terriblement effrayant d'être regardé. On le sait, on sait qu'avant notre premier mot, on est presque déshabillé par l'auditoire. Et je crois que c'est là que posent pas mal de questions. En fait, pourquoi les gens ont si peur de prendre la parole ? Ce n'est pas forcément parce qu'ils vont être écoutés, mais parce qu'ils vont d'abord être vus. Et si c'est vrai, si on est complètement déshabillé au premier regard, je crois que c'est à l'orateur de passer cette étape-là et de se dire que son challenge est de renverser les regards, de reprendre le pouvoir et de lui, finalement, ne plus du tout quitter la salle du regard. Quand il reprend ça, quand il sent qu'il peut se nourrir du regard, comme je suis en train de faire maintenant, eh bien, c'est extrêmement, j'allais dire oui, nourrissant, mais donc ça donne des assises dans notre prise de parole. Et donc, être un bon orateur, c'est être capable de se servir de ce qui se passe dans la salle, de le mettre à son profit et de renverser ça, de prendre du pouvoir dans cette prise de parole-là. Donc, je dirais que la première chose pour bien parler, c'est de se taire. Ensuite, c'est de respirer, ce qui est un peu paradoxal aussi. Et enfin, je vais continuer et achever cette contradiction jusqu'au bout, je pense qu'une bonne prise de parole passe par l'écoute. Avant les mots, avant tout ça, ça passe par l'écoute. Il y a une citation en communication que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus qui c'est et je vais regarder ce que je vais tricher. J'ai tellement pas envie de me tromper de nom. Et je crois que c'est de Bateson. Voilà. C'est une communication de Bateson. Et je l'aime bien. Elle dit ceci. L'éloquence ou la communication, c'est entrer dans l'orchestre. J'aime bien quand on y réfléchit à ce que ça veut dire. En fait, c'est tu ne rentres pas comme un soliste,
tu rentres vraiment comme dans un orchestre. Donc, tu sais que tu vas peut-être être le chef d'orchestre, tu sais que tu vas prendre beaucoup de place avec ton instrument qui est ta voix, mais tu rentres dans un milieu, tu rentres dans un groupe et tu dois faire attention à ce qui t'entoure. Et je crois vraiment que la prise de parole, c'est prendre un temps précieux et sincère pour voir tous ceux qui nous entourent. Là, c'est quoi les énergies ? Alors, de nouveau, avec le virtuel, c'est extrêmement compliqué. Néanmoins, les mots que tu as utilisés, Héloïse, le fait que je sache qui compose le public, qui est là en plein milieu de votre journée, de notre soirée, pour écouter une conférence sur l'éloquence. Quel est le contexte dans lequel vous écoutez ça ? Dans quel pays, dans quelles identités au pluriel s'ancre mon discours ? Et tout ça, c'est à la fois nécessaire pour que mon propos tombe juste, mais évidemment, ça me permet d'être réellement dans l'échange. Quand on parle, on souhaite être écouté. Et donc, la moindre des choses, c'est d'abord écouter, observer ce qui se passe autour de nous, pour être encore plus juste. Et je pense que Simon ne me contredira pas, au contraire, je pense qu'il va aller complètement dans ce sens-là. Vous avez invité deux orateurs différents. Alors, on a chacun nos astuces, nos ficelles, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas un type d'orateur. Ça me paraît presque complètement fou de le penser, au fait. Et d'ailleurs, quand vous prenez la différence entre l'éloquence et la rhétorique, c'est ce que ça dit. Donc, l'éloquence, c'est vraiment l'art de la prise de parole. Et puis, la rhétorique, ce sont un peu les moyens, les techniques mis à disposition de cette éloquence, mis à disposition de tout un chacun. Néanmoins, si je devais réfléchir à une sorte d'ADN de tous les orateurs, oratrices qui m'ont marqué, en tout cas pour ma part, il y a l'authenticité. Il y a tout ce que je viens de vous dire, évidemment, qui sont des trucs et des astuces, mais il y a quelque chose de fondamental. C'est comme si leur place et leur prise de parole étaient évidentes. Comme si, lorsqu'ils étaient sur scène, lorsqu'ils ou elles commencent à ouvrir la bouche, que nous étions tous suspendus à leurs lèvres, quelque chose les transcendait. Et là, je me dis, OK, il y a connexion, il y a une justesse à être là. Ils sont eux, ils sont profondément eux. Et là, je crois que c'est quelque chose, oui, pour ma part, qui est commun à tous les orateurs et actrices que j'aurais eu envie de vous citer. Et pour ceux qui ont du mal encore à cet alignement, à cette présence complète, à cette disposition, cette disponibilité au public, eh bien, la rhétorique contient énormément d'outils pour pouvoir les accompagner, les aider. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, alors j'avais envie de vous partager mon outil préféré. Hormis les conseils que je vous ai donnés, il y a un outil et il vient de l'autorité légitime absolue, donc d'Aristote. J'ai été chercher quelque chose d'incontournable. Mais vraiment, je fais une petite parenthèse, mais je n'ai pas fait de droit. Il faut bien comprendre que l'éloquence est donnée à plein de gens, à distribuer comme un talent, un don, et de manière juste parce qu'au-delà des classes sociales, au-delà des sexes, au-delà des éducations, on n'a pas besoin de faire de droit pour être amoureux des mots, en fait. On n'a pas besoin d'être prof de français pour profondément aimer la littérature. Je crois vraiment que quand vous prenez la parole et que vous sentez que quelque chose vibre au creux de votre ventre, que vous sentez que vous êtes de plus en plus juste, alors allez-y, foncez. C'est un chemin pour vous. C'est un moyen d'expression comme un autre, en fait. Et il est d'une noblesse extraordinaire. Je vous dis ça parce que j'ai d'abord aimé l'éloquence avant d'aimer la rhétorique. Il y avait des choses qui me paraissaient tellement évidentes dans la prise de parole, mais je ne savais pas que ça portait un nom, en fait. Un très beau nom, latin, grec, que ça avait été étudié, que ça avait été théorisé, que ça avait été partagé. Et ça fait seulement depuis quelques années que je me noie dans la littérature de toute la rhétorique actuelle et ancienne, et que c'est tout aussi passionnant, parce que ça m'éclaire. C'est comme si ça posait un diagnostic sur quelque chose que j'avais pressenti. Et donc, je vous dis tout ça pour vous dire ma parenthèse, pour vous dire que je me perds un peu, mais j'espère que vous suivez quand même. Il y a, donc entre Platon, Cicéron et Aristote, qui sont vraiment les trois dieux de la rhétorique, il y a une bataille ancestrale que je trouve extraordinaire et éclairante sur ce que je voudrais vous dire. Pour Platon, la rhétorique est une forme de manipulation. C'est une manière de persuader plutôt que de convaincre. Et donc, il était vraiment avec un rapport un peu ambigu à la rhétorique, avec de la méfiance, avec tout ce que cela comporte, et il pouvait être dans le rejet de ce qu'on appelle le pathos. Je vous expliquerai juste après ce que j'entends par là personnellement. Et puis, il y a Aristote, qui lui a rendu un peu les lettres de noblesse de la rhétorique, et qui voyait, lui, au contraire, un moyen de convaincre, ce qui est très différent, et qui louait et qui mettait vraiment sur un piédestal le logos. Et donc le fond, absolument le fond. Il fallait qu'il y ait démonstration, il fallait qu'il y ait logique, il fallait qu'il y ait une question d'abord pour nourrir le débat, qu'il y ait réciprocité dans la question et qu'il y ait vraiment une logique implacable. Il fallait aller lécher le cerveau de l'autre. Et puis, pas sûr qu'il ait dit ces mots-là, mais vous voyez l'idée. Et puis enfin,
Il y a mon préféré, c'est mon chouchou à moi, si j'avais dû choisir à qui je ferais ma vie, si ce n'est Simon, évidemment. Je crois que ça aurait été Cicéron. Et Cicéron, lui, il favorisait très fort ce qu'on appelle l'éthos. Et j'adore, parce que l'éthos, lui, il dit, avant même de savoir comment dire, avant même de savoir quoi dire, il faut être. Waouh ! Ben ouais, ça m'arrange, c'est canon. Il faut être complètement soi, il faut arriver à installer une relation de confiance, d'envie, de frustration, de presque quelque chose de passionnel avec son auditoire. Il faut savoir qu'on est à sa juste place. Et c'est exactement ce que je vous disais précédemment, en fait. Et donc, tous les trois disaient, mais non, de l'éthos, non, du logos, non, du pathos. Et puis, Aristote a calmé le jeu et a dit, en fait, je crois qu'un bon orateur arrive à trouver un équilibre entre ces trois formes d'expression, ces trois formes d'arguments. Et donc, si je devais revenir peut-être sur une définition plus précise de ce que c'est, je dirais que l'éthos, c'est le sensé, le sensible, le sincère. L'éthos, c'est un peu, c'est avant même d'avoir pris la parole, c'est ce que l'auditoire attend et pense de la personne qui va, de l'orateur finalement, de l'oratrice. C'est la relation de confiance qui va se jouer là. Ok, d'accord, vous voulez me parler, je vais attacher ma ceinture. Ok, pour vous, je vais vous suivre, je vais m'installer et je vais écouter et je vais être bien. Le cadre est installé et l'éthos permet justement ça. Le logos, comme on le sait plus fréquemment, c'est vraiment la justesse et la logique et la solidité de l'argumentaire. C'est la démonstration. Alors, ça prend plus de temps, c'est souvent plus ennuyeux, c'est plus factuel, c'est plus chargé. Il faut pouvoir déployer les arguments du logos. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça manque aujourd'hui dans les débats, dans les médias, ça n'existe presque plus. Et donc, de temps en temps, ce n'est pas grave quand c'est de trop, je trouve. Ça compense un peu. Et puis enfin, vient le pathos. Alors, le pathos, vraiment, a très, très, très mauvaise presse. Mais dans le pathos, c'est comme si je vous donnais des images pour que vous puissiez imaginer. C'est comme si j'étais suffisamment précise dans mes émotions pour que vous puissiez les ressentir avec moi. Donc, le pathos n'est pas que de la manipulation des émotions des autres, mais c'est vraiment le vecteur le plus rapide pour que ce que j'ai dans le ventre arrive à se faire une place dans votre propre ventre, en fait. C'est vraiment du nombril au nombril, le pathos. Et donc, je crois qu'un bon orateur, une bonne oratrice arrive à trouver l'équilibre entre ces trois pôles-là, arrive à trouver une harmonie dans sa prise de parole. Il arrive donc à plaire, à instruire et à émouvoir. Parce que nous sommes justement, je crois, des êtres de caractère, de passion et de savoir. Merci. C'est pour vous. Il n'y a pas de questions, Héloïse. Ah, vas-y. Voilà, je ne voulais pas être longue, je voulais aller... Oh, si j'ai été longue. Il y a une question de Cristóbal Jara qui a... Il y a une question de Cristóbal Jara. Attention, j'entends la traduction en français. Non, c'est bon? Ok. Alors, je donne la question de Cristóbal qui est très intéressante. Y a-t-il une manière particulière d'attirer l'attention du public sans perdre leur écoute? Je répète. Y a-t-il une manière particulière d'attirer l'attention du public sans perdre leur écoute? Oh, elle est bien, cette question. Tu as déjà un peu répondu, tu as déjà donné des éléments. C'est venu juste avant que tu nous parles du ethos, pathos. C'est venu juste avant. Mais je rajouterais que le conseil que je donne à tous ceux qui font des concours, c'est de surprendre. Alors, ils peuvent surprendre par l'humour, ils peuvent surprendre par un argument qui... Donc, ils peuvent surprendre par l'éthos, pathos et logos. Par exemple, moi, j'adore qu'on me cueille, évidemment, avec l'humour, mais j'aime par-dessus tout entendre un argument solide auquel je n'avais pas du tout pensé. Ça veut dire qu'on a tellement réfléchi profondément à la question du débat ou vraiment au sujet que je sors de là en étant instruite. Je sors de là avec un élément et un regard neuf. Et donc, ne pas perdre l'écoute, c'est arriver à surprendre. Et si vous avez de la variation dans la surprise, waouh, c'est extraordinaire. Là, je vous parle du fond. Je ne vous parle pas des variations de forme que mon ami Maître Menskart maîtrise par-dessus tout. Mais vraiment, je pense que si vous surprenez dans le contenu, pour moi, vous gagnez absolument tout. Merci beaucoup. Alors... Il y a une question, je te la lis, je ne l'ai pas lue. Alors, je traduis. Que pensez-vous de
de la prise de parole par ces moyens virtuels. En particulier, pensez-vous que les moyens virtuels puissent donner une nouvelle manière de s'exprimer à la personne? Par exemple, en regardant les vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Hector qui nous pose cette question. C'est de nouveau une excellente question. Tu veux que je te redis, pardon? Non, c'est bon, non, c'est... Okay. Oui. Écoute, en parlant, j'ai affiné mon écoute. Une fois suffit. Non. Moi, évidemment, ça me frustre parce que je suis une corporelle et donc j'ai besoin de presque sentir, tu vois, les émotions des gens, ce qui se dégage des corps. Et les écrans, ce sont finalement des murs transparents, mais ça reste des murs et c'est très compliqué, du coup, d'avoir une communication franche, d'avoir quelque chose de l'ordre de la connexion à l'autre. Néanmoins, je suis pour que la communication existe, quel que soit le contexte. Donc, si pour l'instant, c'est le seul moyen, faisons avec. Et si ça permet à certaines personnes, comme nous, d'être en communication, alors louons la technologie. Je veux dire, quelle était notre chance de pouvoir passer une soirée comme celle-ci? Quelle était mon occasion de pouvoir vous faire passer un message que tout le monde doit parler, si ce n'est par ces technologies-là? Donc voilà, je pense que, comme absolument tout, il y a ces désavantages et ces avantages. Et jamais j'aurais pensé qu'on puisse partager autant avec autant de kilomètres qui nous séparent. Donc, il faut faire avec. Et concernant les petites vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit des vidéos qui soient des conseils de prise de parole ou des vidéos qui soient des avis de débat, quand c'est des vidéos, il y a quelque chose qui m'ennuie, en fait, parce que c'est de nouveau pas dans l'échange. Je crois qu'à nouveau, Simon sera d'accord avec moi, rien de mieux que le direct, rien de mieux que ce truc qui vous chatouille, qui vous fait peur, mais c'est mieux ça que des enregistrements vidéo. Donc, s'il fallait favoriser un contact, c'est en présentiel. Si ensuite, il n'y a pas moyen, c'est l'échange comme on fait maintenant. Et enfin, s'il ne reste rien, contentons-nous du podcast ou de la vidéo. Mais mieux vaut tout ça que rien du tout. Merci beaucoup. Alors, une autre question, et puis après, on passera à Simon, et puis s'il y a d'autres questions, on les prendra après. Une question de Raphaël, qui a également participé au concours, et encore une fois, je remercie les nombreux participants. Alors, que pensez-vous de l'utilisation des gestes pour attirer l'attention ou expliquer nos arguments? Vous demandez ça à une méditerranéenne. Tadam. Mais en fait, tu vois, donc Raphaël, c'est bien ça? Raphaël, le geste doit être dans l'élan de ta prise de parole. Un geste pour un geste, no way, c'est pas possible en fait. Donc tout ce qui est superficiel se voit si vite et si fort que ça dénature ton propos. Et donc, si en parlant, tu as l'impression que ce geste vient appuyer ton propos, et si ce geste permet... Il y a des gens en face de toi qui sont auditifs ou visuels ou kinesthésistes ou d'autres formes d'intelligence. Et donc, parfois, le geste permet vraiment de rendre ton propos plus audible à certaines personnes. Et ça, c'est génial. Mais il faut que ça soit un élan naturel. Et donc, oui, bien sûr que la scénographie, bien sûr que la gestion corporelle et surtout le contrôle de tout ce qui est parasitaire est important. Et il y a des mots que l'on peut appuyer. Il y a des propos que l'on peut souligner. Il y a une manière de donner de la place à ce qui va suivre et qui aide évidemment l'écoute et favorise la concentration. Donc, des gestes, oui, mais de manière parcimonieuse et lorsqu'ils sont justes et sincères. Super. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, mais je les garde pour après, parce que peut-être déjà Simon va y répondre. Certainement. En partie, mais je vois que... d'autres participants du concours qui sont en train de poser leurs questions. Alors, merci beaucoup, Monia. On va passer maintenant à Simon. Simon, nous t'écoutons attentivement. Merci et bonjour ou bonsoir, Monia. Bonjour à tout le monde. C'est toujours difficile de passer après Monia, qui est évidemment brillante. L'avantage, c'est que je pense qu'on se complète. D'ailleurs, on se complète parce qu'on n'est souvent pas d'accord sur certaines choses. Ce qui est une des forces, je pense, de l'oratoire. C'est-à-dire que Monia l'a dit, et je la rejoins entièrement, j'ai envie de dire qu'il y a presque autant d'orateurs, plutôt autant de styles oratoires que d'orateurs. On a tous son style. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de ne surtout pas se dénaturer. On a tous vu des gens qu'on a
trouvé brillantissimes quand on les a entendus prendre la parole. Et on s'est dit, j'aimerais faire comme lui. C'est la pire erreur qu'on peut commettre. Il ne faut surtout pas copier quelqu'un, il faut garder son propre style et le développer. Ce matin, j'ai déposé ma fille à l'école et c'est amusant parce que ma fille ne savait pas que j'aurais cette conférence ce soir. Elle a 5 ans, elle est encore très jeune. Et elle doit parfois prendre la parole devant sa classe et elle m'a dit, tu sais papa, moi, parler devant un public, ça me fait très peur. Et je lui ai répondu, mais tu sais que je suis avocat, tu sais que c'est mon métier de prendre la parole. Eh bien, à 40 ans, j'ai encore envie d'appeler ma maman avant une grosse pédoirie. Je suis mort de trouille. Et donc, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aiment prendre la parole et qui débutent. Cette peur, on la garde toute sa vie. Mais cette peur, elle est vivifiante. Cette peur, elle nous permet d'avancer, elle nous permet d'être encore plus fort dans la prise de parole. Parce que cette peur, je pense qu'il faut la dompter et en faire une force. Et pour la dompter et en faire une force, je suis persuadé qu'il y a des outils qui fonctionnent. Ce sont des outils universels, ce sont des outils qu'on utilise tous. Et avant de vous parler de ces outils, j'aimerais vous parler de mes premiers rapports à la parole. Et j'ai un souvenir assez précis. C'était lors de mes études universitaires, je me souviens que je passe un examen oral et je dois bien reconnaître que je n'avais sans doute pas suffisamment travaillé cet examen. Et donc, je n'arrive pas très à l'aise. Je passe l'examen et à la fin, le professeur me regarde et me dit « On va être tout à fait clair, monsieur, vous ne maîtrisez pas totalement la matière, mais vous l'exprimez particulièrement bien et vous méritez donc une note tout à fait satisfaisante. » Et ça m'a marqué, cette phrase. Je me suis rendu compte ce jour-là que la forme pouvait sauver le fond. En d'autres termes, je n'étais pas à l'aise sur la matière. Mais le professeur a considéré que le peu que je connaissais était tellement bien exprimé, mais que ça rattrapait cet écueil de cette mauvaise étude. Et je m'en rends encore compte tous les jours, aujourd'hui, dans mon métier. Je discutais avec un magistrat, un juge, qui m'expliquait que, donc vous devez savoir, pour ceux qui ne sont pas des acteurs de la justice ou qui ne connaissent pas particulièrement bien les procès, la manière dont ça se déroule, ce rituel, avant de plaider, le juge, avant de nous entendre, nous les avocats, le juge connaît le dossier. Le juge a étudié le dossier. Et donc, comme tout le monde, il a déjà une opinion. A priori, il a envie de donner gain de cause à telle ou telle partie. Et donc, ce juge me disait, j'arrive pour un dossier, je suis déjà a priori convaincu par telle partie. Et puis, il me dit, j'entends une toute jeune avocate, sans doute une de ses premières plaidoiries, sans doute une plaidoirie qu'elle a énormément travaillée parce que c'est une des premières, parce qu'elle était très angoissée. Et elle a retourné ce juge. Elle a retourné son opinion. Il m'expliquait, c'est incroyable, Simon, j'étais sûr de donner gain de cause à la partie A. J'entends cette jeune avocate qui me prend aux tripes. Et finalement, je donne raison à la partie B. Entendre ça, ça me rassure. Ça me rassure parce que je me rends compte que la parole peut encore changer les choses. C'est beaucoup moins froid, évidemment, qu'un écrit. Par la parole, on humanise des choses. On arrive à huiler les choses, à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus humain. Et je vous le disais, réussir à faire passer cette humanité, à faire passer ces sentiments, à faire passer ces émotions, ça se travaille. On a donc des outils pour ça. Moi, mon dada, la chose sur laquelle j'ai envie d'insister, ce sont les variations. Les variations. J'entendais une question qui était posée à Monia. Comment est-ce qu'on arrive à tenir en haleine un public? Il faut varier, il n'y a pas d'autre solution. Vous devez varier. Et varier, ça passe par plein de choses. Vous pouvez varier, évidemment, par le débit. On peut augmenter la rythmique. On peut tout d'un coup diminuer le rythme, parler beaucoup plus lentement. La variation, ça peut passer par la tonalité. On peut avoir une tonalité plus grave, comme on peut avoir une tonalité plus enjouée. On peut avoir de l'humour, des silences, des pauses. Toutes ces choses sont des armes. Ce sont des armes qui vous permettent de varier, de ne pas perdre votre public. Mais c'est vraiment ça l'essentiel que vous devez retenir, la variation. Avant de partir sur les outils propres à la forme, j'aimerais vous toucher un petit mot par rapport au contenu même, au fond du texte. Il y a deux choses. Deux choses parce que j'ai un temps de parole limité. Deux choses que j'aimerais développer. D'abord, ce qu'on appelle l'exemple.
L'exorde, c'est quoi? C'est la manière dont vous allez commencer votre discours. C'est les premiers mots. C'est capital, c'est primordial, c'est là que vous allez accrocher votre public. Si vous ne les accrochez pas tout de suite, ce sera vraiment compliqué de réussir à les intéresser encore par la suite. Et donc, l'exorde, il faut surprendre. On peut évidemment avoir des exordes classiques. On peut commencer en disant « Bonjour, je m'appelle Simon Menscard, je suis ici pour vous parler de la prise de parole en public. » Mais moi, je conseille plutôt des exordes dites « ex abrupto », des exordes qui frappent, des exordes qui marquent. On peut commencer par une citation, comme on peut commencer par une phrase qui interpelle, qui choque. On peut aller jusqu'à choquer, parce que tout le monde va relever la tête, se demander « Mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il veut ?» Mais donc, les premiers mots sont vraiment quelque chose d'essentiel. L'exorde est essentiel. Et évidemment, à côté de l'exorde, en face de l'exorde, il y a la péroraison. C'est la fin. C'est les derniers mots. C'est le moment où vous emballez votre salle. Vous devez savoir que toutes les études en communication ont montré qu'en moyenne, sur un discours envoyé, le public retient 10%. 10%. Pas plus. Ça, c'est la moyenne de ce que retient l'auditeur d'un discours déclamé. Autant vous dire que les derniers mots sont vraiment essentiels. Parce que si le public ne retient que 10%, il retiendra d'autant plus les derniers mots que vous avez prononcés. Il y a des manières, évidemment, de faire en sorte d'augmenter ce pourcentage. Une des manières, je pense, c'est de travailler avec un plan. Je m'explique. Annoncez votre plan. Lorsque je fais une prise de parole d'un certain temps, en général, surtout dans quelque chose de structuré, lorsque j'ai un sujet précis, lorsque j'ai une plaidoirie, j'annonce mon plan. Je vais d'abord vous parler de ceci, de cela, et enfin, je vais terminer avec ce point-ci. Et je répète mes points. C'est-à-dire que j'annonce le plan, je développe le premier point. Je termine ce point, je dis voilà, je viens de vous parler de ceci, je passe à mon deuxième point. Je développe le deuxième point. Et puis, je rappelle que je vous ai parlé du premier. Je viens de vous parler du deuxième, je passe au troisième. C'est important parce que c'est de la répétition d'une part, et ça permet d'augmenter ce pourcentage de 10%. À chaque fois que vous avez terminé un argument, vous rappelez les précédents que vous veniez de développer. Et puis c'est important parce que vous prenez votre public par la main. Il est important que votre auditoire sache où il va. On peut jouer sur la surprise, évidemment. Mais si vous jouez trop sur la surprise, vous allez perdre ceux qui vous écoutent. D'où cette idée de plan qui permet de répéter, et d'autre part de prendre les gens par la main véritablement, de dire voilà le chemin que je vais emprunter avec vous, voilà le chemin que je vais prendre pour vous amener à telle destination. Et vous savez comment on va arriver à cette destination, vous savez comment je vais vous y emmener. Donc, vraiment le conseil sur la forme que je peux vous donner, c'est d'annoncer un plan avec des points très clairs, et d'y revenir autant que possible. Je vous parlais donc de l'exorde, je vous parlais de ce qu'on appelle la péroraison, les derniers mots que vous prononcez. Je ne pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui de vous parler des autres différentes parties du discours. Très rapidement, il y a ce qu'on appelle la narration, c'est le corps même de votre argumentaire. Mais à côté de la narration, je vois trop souvent des orateurs qui oublient une partie essentielle. Essentielle. C'est le fait de contrecarrer les arguments de la partie adverse. C'est ce qu'on appelle la réfutation. Rien n'est plus fort que quelqu'un qui anticipe ce qu'on pourrait lui répondre. Vous coupez l'herbe sous le pied de votre adversaire. Vous allez provoquer un moment de solitude chez lui, évident. C'est-à-dire que je vais développer un sujet et dire « Alors, on pourrait me répondre ceci ou cela. » Mais pas du tout. Parce qu'il y a tel et tel argument qui s'oppose à ce qu'on pourrait vous dire de part adverse. Donc, n'oubliez jamais la réfutation. Jamais. Et on entend trop souvent des jeunes orateurs très enthousiastes qui développent tout leur point de vue, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas que votre point de vue qui compte. Il faut évidemment également rencontrer les arguments qu'on pourrait vous opposer. C'est ce qu'on appelle la réfutation. C'est quelque chose d'essentiel. Ça, c'est dans la construction même de votre discours, c'est dans l'écriture. J'aimerais d'ailleurs faire une petite parenthèse à propos de cette écriture. Vous rassemblez vos idées, vous préparez votre exorde, vous préparez votre péroraison, votre narration, donc le contenu même de votre argumentaire,
les contre-arguments, la réfutation, et puis vous rédigez. Il y a deux solutions, il y a deux solutions à la rédaction, deux principales. Soit vous écrivez un texte complet, un texte écrit, des phrases entières. Soit vous utilisez ce qu'on appelle des bullet points ou des mots-clés. A priori, j'ai tendance à conseiller les mots-clés. Pourquoi les mots-clés ? Parce que par les mots-clés, vous allez être spontanément, automatiquement dans le registre de l'oralité. Vous n'avez pas le choix, vous êtes face à votre public, vous voyez un mot-clé, vous savez que vous devez le développer, et donc votre cerveau le développe à l'oral, immédiatement. Et je pense que vous savez tous qu'on n'a pas le même vocabulaire, le même champ lexical à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, quand on fonctionne avec des mots-clés, comme on développe à l'oral, automatiquement, on est dans ce mode oralité, ce qui donne un style beaucoup plus naturel, beaucoup plus agréable à écouter. Donc, mon premier conseil, c'est, a priori, de fonctionner avec ces mots-clés. Et je dois à la vérité que, quand j'ai participé à des concours d'éloquence, ou quand j'ai des plaidoiries très importantes, par exemple en cour d'assises, j'ai plutôt tendance, contrairement à ce que je viens de vous dire, à écrire un texte complet, avec des phrases. Pourquoi ? Parce que notamment dans le cadre d'un concours d'éloquence, j'estime que chaque mot doit être pesé et sous-pesé. Mes phrases doivent être particulièrement ciselées, précises. Je réfléchis vraiment beaucoup plus à la manière dont je vais formuler telle ou telle idée. Alors ça fonctionne aussi, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que la différence, c'est que lorsque j'écris un texte avec des mots-clés, je le répète quelques fois, et puis je me sens assez à l'aise. Lorsque j'écris un texte complet parce que je veux être plus précis, plus ciselé, avec des mots réfléchis, pesés, sous-pesés, je dois répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que le texte écrit va me faire perdre ce côté naturel. C'est ce mode oral dont je vous parlais avec les mots-clés. Et donc, oui, vous pouvez fonctionner avec un texte écrit, et souvent, quand on commence à prendre la parole, quand on en est à ses débuts, à ses balbutiements, les premières fois qu'on prend la parole en public, on a peur des mots-clés. Et je peux l'entendre. On se dit, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas réussir à développer des idées comme ça. Et donc, je comprends ça parfaitement. N'hésitez pas à vous faire confiance, mais au début, je peux entendre que vous fassiez des textes écrits complets avec des phrases. Mais dans ce cas-là, il faut le répéter beaucoup plus pour gagner ce style naturel. C'est en répétant qu'on va être de plus en plus à l'aise avec son texte, qu'on va l'avoir en bouche par ailleurs, et qu'on va réussir à amener ce côté naturel. Mon patron de stage, l'avocat qui m'a formé, qui est quelqu'un qui était un orateur d'exception, me disait, tu sais Simon que tu commences à être bon dans ton texte quand tu le vomis. Et je trouve cette phrase est très juste. Les textes écrits, je les répète tellement qu'à un moment, je ne peux plus les voir. Je les ai tellement répétés que je n'en peux plus. J'ai envie de le jeter. Je me dis que je suis mauvais, que ça suffit maintenant, que de toute façon, je vais rater. C'est là qu'on sait qu'on commence à toucher quelque chose. C'est là qu'on sait qu'on commence à être bon. Et donc, le secret, que ce soit en mots-clés ou que ce soit en texte écrit complet, c'est la répétition. Mais d'autant plus dans les textes écrits complets. Il faut répéter, répéter, répéter et répéter encore. Il n'y a pas de secret. Je vous disais que le maître mot, selon moi, de l'éloquence, de la prise de parole, j'avais commencé avec ce mot, c'est la variation. J'insiste là-dessus. On a un petit moyen mnémotechnique dans des formations que je donne. On dit que prendre la parole, ce n'est rien d'autre que draguer. Et en fait, on prend chaque lettre du mot draguer. Le D, c'est le débit. Le débit est essentiel. Votre débit, votre vitesse de narration, votre vitesse d'éloquence. Je sais que moi, j'ai cette tendance à parler trop vite, par exemple. Et donc, je dois souvent me contenir. Petit truc pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais que je suis loin d'être le seul à parler trop vite, et on parle d'autant plus vite qu'on est angoissé, d'autant plus vite qu'on parle devant un public. Sur vos fiches de prise de parole, moi, j'utilise ce truc et ça fonctionne pas mal. J'écris à la verticale en rouge, lentement. Et quand je regarde mes fiches,
Je vois ça en rouge, ça me saute au visage, je vois lentement. Et comme je sais que je suis trop rapide, je ralentis automatiquement. Mais donc la première variation, elle passe par le débit. N'hésitez pas à ralentir. Je vois souvent aussi des gens qui débutent et qui ont tendance à croire que l'art oratoire, ce n'est rien d'autre que de l'emphase et des explosions d'emphase. Des gens qui se disent que bien prendre la parole, c'est tout d'un coup avoir des grandes envolées lyriques et accélérer le rythme aller de plus en plus vite. N'oubliez jamais la force de la lenteur, la force de l'émotion profonde. On n'a pas besoin de tout le temps s'exciter. Et je dirais même qu'au contraire, si à un moment un public a tendance à ne pas vous écouter, vous vous rendez compte que vous les perdez en partie, n'accélérez pas votre débit. N'augmentez pas le ton de votre voix. Au contraire, ralentissez. Et votre public, automatiquement, va se dire « Tiens, il ralentit. Tiens, il baisse la voix. » Et c'est eux qui vont relever l'oreille. C'est eux qui vont revenir vous chercher. Et donc, première chose pour varier le débit, mais le débit, ce n'est pas qu'accélérer, au contraire, c'est décélérer beaucoup. C'est la tonalité aussi. C'est donc monter, descendre, mais à nouveau, n'oubliez jamais de descendre. Donc le débit, le regard. Le regard est essentiel. Et là, je suis un peu mal pris parce que je ne vous vois pas. Mais il est évident que lorsque je prends la parole face à un public, ou même face à un juge seul, isolé, énormément de choses passent par le regard. Énormément. Allez chercher votre auditoire. Regardez-les, balayez la salle. Alors, on est bien d'accord, il n'y a rien de pire que de fixer une personne. Ne fixez jamais plus de 30 secondes, et même c'est très long. Le regard, il se balaye. Vous allez chercher de temps en temps et vous repartez ailleurs. Mais surtout, ne fixez pas, vous allez rendre tout le monde très mal à l'aise. Débit et variation de débit. Regard, allez chercher les gens. L'articulation, le A de draguer. Il faut évidemment faire attention à ça. Ça passe par la répétition, l'articulation. Avoir le discours en bouche. Il y a des mots compliqués, des phrases difficiles à enchaîner. Il n'y a pas de secret, c'est en répétant qu'on les maîtrise. La gestuelle. On parlait des gestes, on demandait à Monia, est-ce qu'un bon discours passe par la gestuelle? Je suis assez intransigeant là-dessus. La gestuelle, c'est tout ou rien. Bon, je m'explique. Une gestuelle, elle doit être assumée. Si vous avez une gestuelle, elle est ample. Elle accompagne votre discours et les gestes sont libres. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a une gestuelle non assumée. Non assumée, ça se repère tout de suite. Les coudes sont collés, je vais être caricatural, mais il y a quelque chose de comme ça, un peu désarticulé, un pantin mal à l'aise. Si vous avez une gestuelle, libérez les coudes et on y va, et on accompagne le discours. Mais je vous ai dit, c'est tout ou rien. Je fais de la vidéo formation, c'est-à-dire que je filme des gens et je les repasse sur le grand écran. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de gestuelle du tout, ce que j'appelle une gestuelle neutre. Les mains sont posées sur le pupitre et il n'y a aucune gestuelle. Ce n'est pas dérangeant. On le voit quand on repasse sur grand écran ces images. C'est pour ça que je dis que c'est tout ou rien. Soit votre gestuelle est assumée, soit vous n'en avez pas. Pardon. Mais c'est l'un ou l'autre, pas une gestuelle non assumée. Donc dans la variation, le débit, le regard, l'articulation, la gestuelle, l'humour. Monia en parlait, l'humour. Essayez toujours de placer une petite touche d'humour. L'humour, c'est une respiration. C'est une respiration pour vous d'abord, ça vous donne un peu de temps. Le public va rire, vous gagnez quelques secondes. C'est une respiration pour le public. Et puis, ça crée de la connivence. On se sent toujours plus proche de quelqu'un qui nous a fait rire. Vous allez créer un lien beaucoup plus fort avec votre public. Si vous arrivez à le faire rire, ils vont vous trouver plus sympathique. Ils auront plus envie de vous entendre. Et donc vraiment, l'humour est essentiel, mais l'humour, c'est l'humeur aussi. Donc il n'y a pas que l'humour, évidemment. En fait, l'humour, c'est les émotions, de manière plus générale. Faites passer des émotions. Ne tombez pas, comme l'a dit Monia en partie, dans un pathos de bas étage. Ne tombez pas dans quelque chose de too much. Mais évidemment qu'il faut faire passer des émotions. On n'arrive à rien sans ça. Et ça fait partie de ces variations aussi. À un moment, je vais vous faire rire, et deux minutes après, je vais essayer de vous émouvoir. Donc, n'hésitez pas à jouer avec vos émotions, à les faire passer. Et puis enfin, j'insiste, même si Monia en a déjà parlé, mais c'est essentiel, les silences. Le silence est aussi une des meilleures armes de l'orateur. Pourtant, le silence fait peur.
Souvent, on a le sentiment que s'il y a un silence, c'est qu'on n'est pas à l'aise. C'est tout l'inverse. Observez les grands orateurs. Allez voir des discours sur Internet. Ils placent tous des silences. Le silence est comme l'humour, comme l'émotion, une respiration. Le silence est fort. Le silence permet d'instaurer quelque chose. Et souvent, quand vous venez de donner une idée forte, un argument essentiel, laissez le temps au public de digérer ça. Il faut que ça percole. Placez un silence. Laissez le temps aux gens d'apprécier ce que vous venez de dire. Et enfin, évidemment, la répétition. Répétez vos arguments. Autant que vous pouvez. Notamment, comme je vous le disais, par le plan. Vous annoncez vos arguments et chaque fois que vous en avez expliqué un, vous y revenez. Je viens de vous dire ceci, le point 1, le point 2, le point 3, je passe au point 4. Vous terminez le point 4, vous réexpliquez. Je vous ai donc dit le point 1, le point 2, le point 3 et j'ai terminé avec le point 4. Ça, je pense, que je viens de vous dire là, que c'est la base d'une bonne prise de parole. Draguer, varier son débit, faire attention à son regard, articuler, avoir une gestuelle totalement assumée ou une gestuelle totalement neutre, faire passer les émotions, utiliser les silences et enfin répéter. Je terminerai avec quelque chose qui semble l'évidence même, mais je pense qu'il faut insister. La prise de parole, ce n'est pas que le moment où vous parlez, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Votre prise de parole, elle commence avant et elle se termine après que vous ayez pris la parole. En réalité, votre prise de parole, elle commence au moment où on vous donne la parole, c'est-à-dire au moment où vous êtes assis sur votre chaise et que tout d'un coup, on dit « Et maintenant, la parole est à monsieur ou à madame machin. » Tous les regards se braquent sur vous. C'est là que commence votre prise de parole. Vous n'avez pas ouvert la bouche, pourtant c'est là que ça commence. Ayez une stature. Soyez sûr de vous. Vous pouvez perdre tout votre public parce que vous avez l'air totalement angoissé, parce que vous êtes blême, vous êtes blanc, vous tremblez. On assume, et on assume dès le début, et surtout, on assume jusqu'à la fin. On voit souvent des... Souvent, pas souvent, mais on voit de temps en temps des orateurs qui ont fait une excellente prise de parole, et puis, après leur dernier mot, on sent qu'ils se décomposent complètement, qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de regagner leur chaise et de partir en courant. Surtout pas. On assume au début et on assume jusqu'à la fin. Les regards sont encore braqués sur vous. Donc, on assume jusqu'au moment où on se rassied et où c'est quelqu'un d'autre qui a pris la parole. Une prise de parole n'est pas que le moment où les mots sortent de votre bouche. C'est bien plus que ça. C'est dès le moment où on vous donne la parole jusqu'au moment vous rasseyez. Voilà, je pense, quelques éléments qui vous permettront déjà de progresser, mais il n'y a pas de secret. Faites des concours, entraînez-vous, prenez la parole à des mariages. Dès que vous le pouvez, prenez la parole. Il n'y a rien de meilleur. Je rejoins Monia. Moi, j'ai presque envie de vous dire que c'est jouissif quand je prends la parole. Et vous verrez, il y a quelque chose, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, lorsqu'on sent qu'on tient une salle. Il y a vraiment de ça. On tient une salle. Et tout d'un coup, on sent que ça prend. Et c'est incroyable. Tout le monde est accroché à vos mots. C'est quelque chose qui vous donne une force, une confiance, qui vous donne envie d'avancer et surtout qui vous permet de partager. Parce que la prise de parole, c'est le partage, véritablement. J'espère avoir été clair et je suis bien entendu à votre disposition. Si vous avez la moindre question, je ne sais pas si j'ai tenu mon timing, plus ou moins, je pense. Un grand merci, Simon, pour cet exposé brillant. Alors, je n'ai pas osé trop t'interrompre parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, mais là, je ne me sentais pas d'interrompre ta prise de parole. Juste pour information, pour ceux qui n'ont pas remarqué, pendant tous les discours, la prise de parole du coup de Mona et Simon, je vous ai tout remis en note à côté dans le chat. Donc, surtout ceux qui vont faire le concours avec nous, vous faites un copier-coller et vous reprenez ça calmement. Alors, Simon, merci beaucoup. Des questions, il y en a. Je vais te les proposer. Évidemment, s'il y en a où ça s'adressait peut-être plutôt au discours de Monia, je t'invite aussi, bien sûr, à prendre la parole si tu penses que tu as une réponse ou compléter une réponse de Simon. Alors, on a eu plusieurs questions.
Il y a une question qui est venue en fait avant la prise de parole de Simon, qui est comment gérer le temps quand on prend la parole, le temps juste. C'est l'expérience. Donc moi, au début, mes premières prises de parole, je me chronométrais. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je faisais des essais, je répétais, et je voyais combien de temps prenait ma prise de parole. Puis au fur et à mesure, j'ai très vite compris que chez moi, par exemple, lorsque je dactylographie un texte, je compte environ 2 minutes par page. Mais ça dépend de l'interligne que vous avez, ça dépend de la police que vous utilisez. Mais donc, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle. Dans un premier temps, je pense que c'est vraiment en se testant, en essayant. Et assez vite, on se rend compte, OK, moi, pour une page à 4, c'est environ 2 minutes. Donc très vite, vous allez vous familiariser avec ça. Et puis, au fur et à mesure de nos expériences, de nos prises de parole, on maîtrise ça de plus en plus. Aujourd'hui, je savais que j'avais à peu près 25 minutes. Je n'avais pas de chronomètre devant moi et instinctivement, à un moment, j'ai senti que j'arrivais au bout de mon temps de parole. Je ne sais pas exactement combien j'ai fait, mais je pense que je ne devais pas être très loin. Je devais être plus ou moins dans le timing imparti. Mais c'est parce que j'ai l'habitude de ça. Et au début, il est clair que j'ai dû me chronométrer. Donc, je n'ai pas là d'outil miracle. Au début, on se chronomètre. Et puis, avec l'expérience, on est familiarisé avec ça et on se connaît. Et on sait plus ou moins maîtriser son temps de parole. Merci beaucoup. C'est clair. Je ne sais pas si Monia, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, il y a un exercice que je peux vous conseiller, si vous avez envie, qui s'appelle le Just a Minute, qui est très, très chouette. C'est vous prenez un mot, n'importe lequel, et vous demandez à quelqu'un de vous le donner, c'est encore mieux. Et vous devez être capable de parler dessus pendant 1 minute, et donc de sentir que vous tenez 1 minute en respectant 3 règles. Vous ne pouvez pas dévier de sujet, vous ne pouvez pas hésiter, et vous essayez d'éviter de vous répéter dans les idées liées à ce mot. Et c'est un très bon exercice pour travailler justement les variations, la concentration et le développement des arguments en essayant déjà de sentir ce que Simon dit de manière très juste, le temps. Le temps passe. Et puis, petite anecdote, quand on est prof, parce que j'étais prof pendant des années, quand on est prof et qu'on arrive en classe, on est toujours cueilli par la sonnerie. Toujours. Quand on est élève, on supporte le temps et on a l'impression que le temps est extrêmement long. Et quand on donne cours et quand on parle, on se dit quoi déjà ? C'est très drôle à quel point cette notion est très relative, forcément. Et donc, je crois que s'entraîner à la notion des secondes qui passent lorsqu'on parle, c'est vraiment nécessaire. C'est aussi dans un respect de l'autre, en fait. D'avoir une parole juste et qui ne déborde pas sur celle des autres. Et ce jeu-là, le Just a Minute, c'est un bon exercice. Parfait, merci beaucoup. On a eu 2 questions qui se recoupent. Simon, tu nous as fait part d'une anecdote avec une jeune avocate qui avait fait une plaidoirie brillante alors que le juge avait déjà une opinion assez avancée sur le dossier. Donc, Camille nous demande... La morale de votre anecdote, je crois bien que c'est celle-là, hein, est-elle donc qu'on peut réussir à convaincre si on a la manière sans réel argument ? Une autre question de Lautaro, alors l'émotion prend le dessus sur la raison. Oh, notre débat fond forme, Simon. Oui, tout à fait, c'est le vieux débat entre Monia et moi. Je suis convaincu qu'avec un fond qui n'est pas des plus solides, je peux réussir à convaincre grâce à la forme. Je vais être clair, la forme est au service du fond et non pas l'inverse, évidemment. C'est le fond qui importe. Mais vous aurez beau avoir le meilleur des fonds, si vous êtes ennuyeux, si vous ne parlez pas bien, vous ne convaincrez personne. Et donc oui, je pense qu'en tout cas, dans le cadre d'une plaidoirie, dans le cadre d'une prise de parole, la forme peut sauver votre fond. Donc oui, je pense que parfois, et je ne dis pas que c'est bien, mais je pense effectivement que parfois, avec un fond plus faible, vous pouvez gagner, vous pouvez emporter la conviction grâce à une forme beaucoup plus juste. Mais je sais que Monia n'est pas toujours d'accord avec moi là-dessus. Non, moi, je... Quoi ça, Héloïse ? Tu viens de me convaincre, Simon. Je ne sais pas si je me Mais est-ce qu'il t'a persuadé ou est-ce qu'il t'a convaincu ? Ce n'est pas la même chose. Tu vois ? Quel... Non, convaincu. Il m'a quel manipulateur. Non, mais en fait, malheureusement, il a raison sur le constat et surtout s'il prend la précaution oratoire de vous dire « j'en suis désolée de ce constat,
je suis désolée que le fond vienne sauver, que la forme vienne sauver le fond. Bullshit, Simon. Non, mais vraiment, je trouve qu'on manque tellement de fond qu'il faut absolument dire l'inverse aujourd'hui. Je crois aussi qu'on doit, si on donne des outils aux gens pour mieux parler, il faudrait aussi travailler l'écoute des personnes qui nous entourent. Faites un effort pour vraiment tendre l'oreille. Il y a des perles qui se nichent parfois dans les discours qui peuvent paraître ennuyés ou en tout cas moins spectaculaires, mais qui sont pourtant d'une intelligence rare. Et je crois que pour que l'intelligence se déploie, il faut du temps et que le temps, eh bien, à un moment, la forme ne s'y retrouve pas. Tu vois, c'est... Il faut absolument que nous, on réapprenne aussi vraiment une éloge de la lenteur. Tu faisais l'éloge de la lenteur. Eh bien, moi, je crois que cette lenteur doit aussi être du côté de l'écoute. C'est vraiment en acceptant qu'un argumentaire soit déployable sur un temps plus long qu'on arrive à de la qualité. Et donc, je crois que c'est simplement... Tu as mille fois raison à quel point la forme est importante, mais je me dois, comme tu vois la force de l'obscurité, la force de la lumière, je me dois, Simon, de dire que le fond doit l'emporter pour simplement ne pas rajouter de l'eau à ton moulin. Par pitié, pitié, pitié. Enfin, je vous donne un exemple. Combien de fois j'ai entendu des jeunes faire comme ça à la prise de parole de quelqu'un, mais vraiment tous faire des « Oh, waouh !» Et je leur dis « Mais qu'est-ce qu'il a dit ?»« Ben, je ne sais pas. » »« Mais c'était quoi son argument ?»« Ben, je ne sais pas. » Mais alors, c'est que tu n'as pas écouté, en fait. Ils ont été subjugués, ils ont été enchantés, ils ont été vraiment hypnotisés par la forme. Mais il n'y avait rien derrière. Et donc, s'il vous plaît, tendez l'oreille. Ne vous laissez pas berner par quelque chose qui est de l'ordre du beau, quoi. Et du brillant, c'est vraiment écouter, aller chercher. Je vais vous dire un truc, pour moi, un bon discours, je ferme l'ordi, enfin, je ferme, pardon, parce que je suis qu'un écran. J'écoute quelqu'un, le discours se termine et je me dis, qu'est-ce que ma tête a retenu? Qu'est-ce que mon cœur a retenu? Qu'est-ce que mon ventre a retenu? Et si vous êtes capable de donner un élément sur ces trois angles d'appréciation d'un discours, alors ok, le discours était solide. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que vous êtes capable de résumer le contenu d'une personne en une phrase? Si vous n'êtes pas capable d'au moins ça, bullshit, quoi. Tendez l'oreille davantage. Avec le meilleur des fonds du monde, sans une forme incroyable, vous n'aurez aucune écoute attentive et on n'aura de toute façon rien retenu de vos arguments. Blablabla. Bla, bla. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a eu des questions auxquelles, enfin, au fur et à mesure, Simon, tu as déjà répondu sur qu'est-ce qu'on fait avec son regard, capter le regard du public, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est juste une manière à déployer son histoire à un moment précis. Je crois que tu as déjà répondu en disant que c'est essentiel, qu'il ne faut pas rester bloqué sur une seule personne, qu'il ne faut pas balayer la salle, qu'il faut... Voilà, donc tu as déjà répondu à cette question. Alors, Cristobal qui nous demande... Conseillez-vous d'élaborer le cœur de votre discours? Alors, ça, c'était une autre question, une question qui a été répondue. Est-ce qu'il faut écrire son discours? Donc là, tu as déjà effectivement donné des éléments pour peut-être l'écrire au début et le répéter beaucoup pour gagner en spontanéité, en oralité, avec des mots qui sont plutôt des mots à l'écrit, mais dans ce cas-là, le discours sera plus précis et plus ciselé. Alors, on a une question sur « Conseillez-vous d'élaborer le cœur de notre discours comme un entonnoir, c'est-à-dire de la même manière qu'une introduction en droit, des points les plus généraux aux arguments les plus importants ?» Waouh ! Il y a deux écoles. C'est du fond, hein ? Oui, oui. Il y a vraiment deux écoles. L'école la plus classique est de dire « Allez-y crescendo ». Donc, commencez par vos arguments les plus faibles et terminez par vos arguments les plus forts. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, on ne retient jamais 100% d'un discours et on retient d'autant plus ce qu'on a entendu en dernier. Donc, mettez vos arguments les plus forts en dernier parce que c'est ceux qu'on retiendra le plus. Il y a d'autres personnes qui fonctionnent en mélangeant argument contre argument. C'est-à-dire que vous avez le choix, vous pouvez commencer par tous vos arguments de manière crescendo, et puis vous passez à la réfutation. Et là, vous dites, on pourrait me répondre ceci, cela, et vous balayez, vous coupez l'herbe sous le pied de votre adversaire. Il y a une technique qui consiste à mélanger ces deux parties. Vous donnez votre argument et tout de suite, vous anticipez le contre-argument qu'on pourrait vous donner. Vous passez à votre deuxième argument et tout de suite, vous balayez le contre-argument qu'on pourrait vous opposer. Donc, il n'y a pas de
de forme absolue là-dedans. Il n'y a pas une seule réponse. Mais en tout cas, la personne qui a posé cette question, pardon, a raison. Il faut réfléchir à ça. La construction de votre discours est importante, évidemment. Et je ne dirais pas en entonnoir, moi, j'ai cette tendance à fonctionner de manière classique, du moins fort au plus fort. Mais j'y vais vraiment crescendo et je réfléchis, évidemment, à justement la force de ces arguments et donc à quel endroit je vais les placer dans mon discours. Merci beaucoup. Alors, on avait une question. Alors, une question de Diana, très bonne question. Quelle est la différence entre persuader et convaincre? Je laisse Monia, évidemment. Alors, convaincre, en fait, c'est arriver à vous démontrer que mes idées sont solides ou que mon opinion et que ce que je défends comme position est la plus logique. Et donc, j'essaye de vous convaincre de changer d'avis. Donc, j'essaie de vous démontrer la solidité de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que j'énonce. Et vous avez votre propre opinion et je vais vous convaincre qu'il y a une faille dans votre argumentaire et de la solidité, au contraire, du mien. Persuader, c'est si je suis dans une version positive de persuader, c'est aller au-delà de convaincre. C'est que je vous force à passer à l'action. Par exemple, je peux très bien vous convaincre que ma bibliothèque de bande dessinée est bien plus intéressante que celle de mon ami Simon. Ça, je vais vous convaincre et je peux amener plein d'arguments. Persuader, c'est je vous persuader qu'au fait, il faut venir chercher dans ma bibliothèque des BD. Donc, c'est je vous pousse à l'action. Ça, c'est la version positive de persuader. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement échanger des idées, c'est aller mettre en mouvement. Et il y a d'autres personnes qui ont une vision... j'en fais partie, péjoratif de persuader, c'est que le but, c'est de vous mettre en action sans pour autant vous donner les raisons de cette mise en action. Ce qui m'ennuie dans la manière dont aujourd'hui on utilise, dans ce qu'il y a derrière persuader, c'est que c'est de l'ordre de la manipulation. En fait, je vais vous persuader que j'ai raison et qu'importe la solidité de mon argumentaire, je vais vous faire changer d'avis quasi physiquement. C'est-à-dire que vous allez rejoindre, vous allez rallier un camp sans être pour autant convaincu de manière raisonnée. Je ne sais pas si j'étais suffisamment claire à ce niveau-là. Donc, parfait. Attention à la manipulation, en gros. Parfait, merci beaucoup. Il y a une question qui vient d'arriver. Que pensez-vous d'incorporer le storytelling au début de la présentation pour attirer l'attention du public? Évoquer l'attention du public est un grand objectif. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la deuxième partie de la question, mais la première, oui. Que pensez-vous d'incorporer le storytelling au début de la présentation pour attirer l'attention du public? Simon l'a quand même un petit peu évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas sur le storytelling précisément, ce que vous avez... Mais on l'a fait tous les deux. Mais on peut le faire ou ne pas le faire. En tout cas, ce n'est pas forcément conscient. Ce n'est pas « Ah, je vais... » Par exemple, moi, je me suis permise de vous raconter quelque chose de personnel que je crois que je n'avais jamais raconté Simon. Mm-hmm. Donc, c'était... Là, j'ai envie de vous parler de ça maintenant, là. Simon, il s'est servi lâchement de sa fille, qui est canonissime. Il a réellement une fille. Il aurait pu vous inventer un enfant, mais il a réellement une petite fille de 5 ans. Il n'a même pas besoin d'aller l'invoquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... le storytelling, pour moi, c'est une manière de rendre un argument universel. Si vous voulez raconter la grande histoire, rien de mieux que de passer par la petite histoire. Parce que vous créez tout de suite une relation d'empathie, et l'a très bien utilisé tout à l'heure Simon, la connivence. Donc, si je vous raconte une histoire, je nous mets dans une relation de connivence-confidence, et je me mets à un niveau où la relation de confiance peut tout de suite s'établir. Et ça marche bien. Et en plus, après, vous pouvez plus facilement déployer tous les arguments que vous voulez. Et puis, le storytelling, s'il est de l'ordre du conte ou de la narration, est fort en images. Et si je vous mets des images, c'est au-delà de raconter, je vous montre. Il y a quelque chose que j'aime vraiment bien, c'est aussi de nouveau Cicéron. C'est vraiment, quand vous racontez quelque chose, c'est une chose. Mais si j'arrive à vous montrer ce que j'essaie de vous dire... Si maintenant je demande à Héloïse ou à Emmanuel de venir à côté de moi voir ce que je vois, vous n'êtes donc plus en face de moi, mais à côté de moi. Je n'ai donc plus besoin de vous convaincre, vous êtes déjà physiquement à mes côtés. Eh bien, c'est ça la différence et c'est ça la force d'arriver à montrer les choses qu'on a devant nous. C'est encore plus fort que raconter. Donc, la première étape, c'est raconter via le storytelling. La deuxième, c'est arriver à faire ressentir, à faire voir. Et ça, c'est juste canon. Ça marche à tous les coups, en fait. Merci beaucoup. Donc, montre-nous ta fille, Simon.
Je souhaite qu'elle soit au lit. Oui, je vais la réveiller. Alors, bon, une dernière question. Notre conférence touche à sa fin déjà. Une dernière question d'un anonyme. Voilà. Tu as dit ça. Qui pourrait être considéré comme des bons orateurs pour qu'on puisse les prendre en exemple? Ouf. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu plaider, juste avant qu'il devienne ministre, Maître Éric Dupond-Moretti. Alors, vous n'avez pas l'air que d'être content avec ça. Peu importe, je ne parle pas de c'est intéressant. Prise de parole pure. Dans le genre bon orateur, il est incroyable. Je me souviens que ce qui m'a marqué, c'est que dans cette salle d'audience, avant de plaider, et c'est un truc aussi, ne vous lancez jamais directement, prenez quelques instants, quelques secondes avant de vous lancer, ne vous lancez pas tout de suite. Rien que ça, il y a cette espèce de charisme, cette force qui se dégage au moment où il se pose à la barre, il attend quelques instants, et puis qu'il se lance. Alors, outre cette voix incroyable, cette construction du discours, ces variations qui partent dans tous les sens, oui, Moretti est effectivement quelqu'un que je considère comme un très grand orateur. Si je reste dans les juristes, vous trouverez une vidéo assez facilement sur YouTube de Robert Badinter pendant l'hommage rendu par la France aux Juifs déportés durant la rafle du Veldiv. Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez ça. Et en fait, il y a une colère noire de Robert Badinter parce que certaines personnes eurent ce moment, sont en train d'hurler des choses scandaleuses. Et Robert Badinter, en pure improvisation, ça dure quoi ? 2 minutes, pas plus, va leur répondre, il y a tout là-dedans. Il y a l'émotion, il y a la conviction, il y a les silences. Allez voir cette vidéo, Robert Badinter, Rafle du Veldiv, elle est incroyable. En 2 minutes, vous avez un concentré de tout ce qui fonctionne en prise de parole. Je vous ai cité 2 noms, sans doute des formations professionnelles, 2 avocats, mais les 2 sont à mes yeux des brillants orateurs. Je vais compenser si tu veux, dans le monde artistique et politique, mais d'autres formes et d'autres genres, mais avec des nuances. Donc la première qui me vient et qui est contemporaine, c'est Christiane Taubira, parce que Taubira, c'est une excellente oratrice parce qu'elle fait appel à des références, elle amène des références autres que classiques, parce qu'elle joue avec les mots, parce que c'est d'abord une amoureuse profonde des mots. Et ça se sent, c'est une passionnée. Elle joue avec les émotions. Je mets un mais, parce que pour moi, il n'y a pas d'orateur et d'oratrice parfaite. Je joue avec un mais parce que je pense que Taubira n'arrive pas à convaincre. Elle a ses fans, et j'en fais partie, mais elle me fait plaisir. Elle est toujours dans le même registre, donc il y a peu de variations dans ce qu'elle propose. Elle est dans le registre de la colère, de l'indignation, très souvent. La variation se niche dans le choix de ses mots et de ses références, mais pas dans la couleur de l'émotion de son propos. Et donc, elle ne va jamais aller chercher ceux qui sont dans l'autre camp. Elle nourrit sa base. Et donc, pour moi, la parole, ce n'est pas simplement se faire plaisir. C'est vraiment aller essayer de la répandre, justement. Si on pense que sa parole est juste, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. On a un dicton dans la sauce que j'aime beaucoup. J'oublie qu'il y a parfois traduction, interprétation. Je suis désolée pour les interprètes. Je suis en admiration totale. Vous avez deux personnes qui parlent beaucoup et vite. Donc, merci à vous, j'en profite. Mais donc, on a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Quel que soit ce que tu penses, commence par penser le contraire. » Et je pense que c'est très riche d'avoir cette idée pour commencer, en fait. Quel est le point de vue en face ? Alors, au mieux, vous aiguisez vos armes quand il faudra attaquer, mais parfois, vous pouvez sortir de ce voyage du dehors vraiment en ayant un point de vue beaucoup plus affiné et beaucoup plus juste de là où vous êtes, et c'est plutôt pas mal. Et le deuxième orateur, c'est un peu de la triche, mais moi, c'est un moment fondamental dans ma prise de parole aussi, c'est le discours de Charlie Chaplin dans « Le dictateur ». Vraiment, c'est accessible à tous et à toutes. Allez le voir, parce que évidemment que c'est un film, évidemment que c'est un grand, grand comédien. Pour un homme du muet, c'est fou, mais sa prise de parole est extraordinaire. Mais ce moment, la fin du film où il fait ce discours, il y a tout
en fait. Et à travers l'écran du cinéma, tout passe. Tout passe de manière phénoménale et vous l'écoutez une fois, vous restez scotché et vous voulez absolument ensuite, vous aussi, écrire un discours et vous aussi le propager, et surtout dans l'objectif de défendre une cause. On ne parle pas pour rien, on parle pour dire. Et donc, si vous avez quelque chose à dire, eh bien, d'autant plus servez-vous de votre plume, de votre bouche pour défendre vos idées. Et je crois que les jeunes qui font le concours que vous organisez, j'espère de tout cœur qu'ils le font non pas pour la jouissance que l'on a sur scène, ça c'est d'office que vous allez l'avoir, mais parce que vous avez un message à faire passer. Vraiment, servez-vous de ce tremplin pour faire passer un message, qu'il soit politique ou sociétal, mais défendez vos valeurs et vos idées. Merci beaucoup. Bon, alors, il y a Hector qui me fait remarquer que j'ai mal retransmis sa question. Donc, je vais parce que effectivement, il a bien compris qu'on peut écrire pour aider à préparer la parole, mais il parle de la dualité entre l'écriture et la prise de parole. Est-ce que vous utilisez votre prise de parole pour préparer un document? Document écrit, je vais en conclure. Est-ce que ça marche dans les deux sens, quoi? Est-ce que vous parlez, enfin, j'imagine, est-ce que vous parlez et ensuite vous écrivez aussi? Ce n'est pas du tout le même exercice pour moi. Je ne fonctionne pas du tout de la même manière. L'écrit est plus désincarné, est plus froid, peut être très efficace, mais par exemple, il n'y a pas de tonalité dans l'écrit. Sans doute qu'on a tous connu ça, un chat, des échanges de messages, où on se vexe alors que l'autre nous faisait une blague. Vous sentez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'oralité permet beaucoup plus, me semble-t-il, de nuances que l'écrit qui est, oui, plus désincarné, plus froid. Et donc, je ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est tellement vrai que je fais partie, en effet, d'une ASBL qui forme les jeunes avocats. On les forme à la prise de parole, à la plaidoirie, mais on a un séminaire qui n'est axé que sur la communication écrite. Et on a fait donc un autre séminaire parce qu'on considère, peut-être à tort, mais en tout cas, nous, dans cette ASBL, on considère que ce ne sont pas du tout les mêmes outils dans la communication écrite que dans la communication orale. Oui, il y a certaines choses qui se recouvrent, évidemment. Mais vraiment, globalement, non, je ne fonctionne pas de la même manière, je ne rédige pas de la même manière un discours qu'un écrit pur. Ce n'est pas la même chose, selon moi. Mais ça va être notre énième contradiction de la soirée. Nous, c'est l'inverse, mais c'est génial parce que ce n'est pas les mêmes publics non plus. Mais je travaille avec des jeunes qui sont tétanisés à la prise de plume. Donc, ils sont persuadés qu'ils ne sont pas bons à l'écriture et donc ils vont surinvestir l'oralité. Et quand ils commencent, tout comme moi, à, dans ce que je vous ai raconté, à être plus à l'aise dans l'oral, ils se disent, mais en fait, si j'écris plus, si je lis plus, j'affine mon choix des mots et donc j'aiguise ma prise de parole. Et donc, ils retournent à l'écriture, ils retournent à la lecture. Et par exemple, dans ma tête, moi, quand je lis un texte, il est chantant. Un bon discours, c'est une musique que j'écoute. Je suis incapable d'écrire un texte ou de passer sur un texte d'un jeune qui est en train de faire un concours sans entendre la musique des mots. Donc les mots ont tous un son et vraiment j'entends la partition en fait. Et il y a tellement de poèmes et de textes qui sont, je te parle des bons textes, hein, et vraiment mais un discours. Le texte que tu entends est un texte qui est dédié à l'oral. Tu vas me dire, c'est un jeune qui prépare un concours. Oui, c'est bien là, ce que je... musique, mais un écrit qui est réservé à l'écrit. Non. Une lettre que tu m'écrirais, Simon, serait chargée de tonalité alors que tu ne serais pas en train de me la dire. Mais je crois qu'effectivement, un texte dédié à l'oral comporte une dimension de musique qui est plus forte. Mais je veux dire, un bon texte, un poème, par exemple, est normalement fait pour être dit et pas simplement lu. Et donc, tu as raison là-dessus, mais vraiment, je trouve que l'écrit, quand il est juste, pas simplement quand il est voué à l'oralité, quand il est juste, il est tellement chargé d'harmonie qu'on l'entend, en fait. Et donc, ça devient perceptible à l'oral et que moi, en tout cas, quand j'écris, c'est complètement lié. L'oralité et l'écriture est devenue presque indissociable, vraiment. Et alors, ça glisse, quoi, et ça part, et c'est génial. Je crois que ça se combine, vraiment. Écoutez, je vous remercie infiniment. Malheureusement, on va devoir terminer sur cette question. Je voulais juste rappeler que jusqu'à ce soir, vous pouvez regarder le film sur la plateforme. Je vous mets dans le chat le lien. Le film qui s'appelle Le Brio.
qui va vous donner une idée, c'est une fiction, mais qui va vous donner une idée de comment on peut préparer un concours d'éloquence. C'est une fiction, et puis pour nos chers demi-finalistes, on va leur envoyer des liens vers d'autres films. Voilà, donc il me reste à remercier, bien entendu, la délégation générale de Wallonie-Bruxelles au Chili pour la préparation avec nous de cette conférence, évidemment l'Institut français du Chili, et tous nos participants, toutes les personnes qui ont posé des questions, toutes les personnes qui ont écouté en français et en espagnol. Et puis, évidemment, merci beaucoup Monia, merci beaucoup Simon. C'était vraiment formidable de vous écouter sur le fond et sur la forme. Donc, on se retrouvera très bientôt pour la suite de ce concours avec Simon. Et puis, j'espère avec Monia aussi, on va lui trouver quand même encore un autre rôle, je suis sûre, dans le concours de cette année. Et puis, voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier énormément. C'était un très beau moment qu'on a passé ensemble. On a appris beaucoup de choses. Je ne sais pas si Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non, nada por añadir. Me parece perfecto. Et siempre vamos aprendiendo. Rien à ajouter. Voilà, moi j'ai aussi revu pas mal de points. Super intéressant. Et merci à nos amis belges. Hein, on espère... quand la pandémie est passée, peut-être vous accueillir ici au Chili, parce que je vois qu'il y a un certain succès et un intérêt, et on est vraiment heureux d'avoir pu mettre en place ceci avec nos amis de l'Institut français et avec vous. Simon et Monia, mille merci, vous étiez passionnants et bien plus qu'éloquents. Merci à vous, vraiment, merci pour l'invitation. À vous. L'invitation au Chili, hein, si j'ai bien compris, sur les oreilles. Donc on vous retrouvera bientôt. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Un immense merci à tous. Merci à tout le monde. Et moi, vraiment, en plus des interprètes, merci pour la qualité des questions. Ça démontre aussi une grande écoute et un grand intérêt pour le sujet. Donc, bonne chance à ceux qui font le concours et à tous les autres qui ont écouté pour leur pur plaisir. Vous aviez raison d'être là. Bon courage à tout le monde. Voilà, bonne nuit à vous. Au revoir. Merci bonne soirée et bonne nuit en Belgique. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Merci.